Donc d'abord, on va se concentrer sur cette partie qui est beaucoup plus lyrique. Tu vois ici, des fois j'ai tendance à lâcher un peu. Donc ça, il faudra voir comment on peut faire. Le disque est composé d'abord d'une ouverture, c'est les improvisations de Grieg. Ici, c'est plus tac 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 tac. Ensuite, j'ai les 25 danses nordiques. Tu vois, là, j'ai le sol, et la première fois, je ne l'ai pas. Et là, je l'ai fait les deux fois. Et on termine avec l'épilogue qui sera composé d'improvisations, mais cette fois de moi, et qui seront aussi basées sur des inspirations de la nature nordique. Grieg, il faut savoir qu'il était inspiré par toutes les légendes du peuple et par tout ce qui était des danses nationales, les danses paysannes aussi de son époque. J'ai voulu reprendre ça et l'associer à la mythologie du Nord, qui est aussi une mythologie avec beaucoup de légendes et certains des titres de Grieg aussi ont des liens directs, par exemple le mariage des corbeaux ou le roi des serpents. Ah, mais on le fera très bien. Toi qui es pour moi, pour toi qui. C'est bon. Ok pour toi? Oui, pour moi c'est bon. Alors on y va. Ça tourne. Cette émotion, cette couleur musicale qu'on a envie de donner à ce petit passage en particulier qui nous fait partir dans une danse et on voit les gens danser et on voit le froid du nord et on voit l'aspect de la forêt et on voit les nuages qui arrivent et on voit la guerre qui arrive et qui s'apaise et les gens qui reviennent à la paix tout simplement. Et la musique dit ça. Alors, C'est parti. Mais c'est C'est pas important. forcément gênant, Oui, hein? parce que c'est important qu'elle prenne la parole, celle-là. Et puis là aussi que j'aille plus un peu. C'est pas assez. Ça la met en relief, quand même. Ok, alors je reviens sur la partie 2. Attends. J'ai fait les deux fois pareil. Oui. C'est vraiment un duo, ça veut dire que moi, Tu peux je vais l'arrêter. jouer et lui entend ce que moi je joue beaucoup mieux que moi à certains endroits et qui peut vraiment me rendre attentive sur certains points très précis et ensuite je vais pouvoir les corriger. Donc je pense qu'il y a un énorme travail, une collaboration artistique déjà et j'ai de la chance qu'il soit très respectueux et compréhensif de mon concept. Et après je pense que voilà, en tout cas le travail qu'on a fait jusqu'à maintenant, il est très riche. Ça c'est bien ça. Je vais utiliser des termes qui sont des termes du ressenti. Ah, moi j'aimerais bien voir ça comme une douleur, juste avant la paix intérieure. On peut jouer un morceau avec tristesse, comme avec beaucoup de douceur, comme avec beaucoup de sérénité, comme avec beaucoup de joie. Et pourtant, ce sont les mêmes notes. Il l'a vraiment écrit comme une corde après l'autre. Ouais. Parce que Grieg, c'est Grieg. Pourquoi je voulais faire une Peut-être transition, que mais dans j'ai pas l'au-delà, réussi il à serait joui trouver. de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui ou ce qu'on est en train de faire, parce qu'on va le réinterpréter, on va le redire à notre façon, on va le dire avec des moyens techniques qui n'existaient pas alors. Et Fanny, elle fait passer ça à travers tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle vit. Et le résultat, il est là. Ce résultat, il est unique. Et aussi, je pense que le travail de studio, j'aurais beau faire des vidéos TikTok, Instagram, j'aurais jamais le travail qu'on fait en studio d'arriver aussi proche de la pensée musicale qu'on souhaite. Et en fait, je crois que c'est pour ça qu'on enregistre. Là, je me rends compte après 4 jours d'enregistrement que c'est vraiment pour arriver à ce que je ressens au plus proche que je fais un disque. C'est parti!